On verra, en fait, ça n'en est pas et on en est là. Alors, pour être poli, je vais commencer par me présenter, puisque vous ne me connaissez pas. Je suis Jonathan Hoplor, je suis ingénieur solution chez JFrog. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, @HoplorJ, vous me trouvez sur GitHub aussi. Outre l'informatique, j'aime beaucoup la plongée et les balades dans la jungle, voilà, d'où les photos. JFrog, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a un stand là-bas, vous pouvez venir nous parler. Pour faire vite, c'est une start-up qui est basée aux États-Unis et en Israël, mais depuis 2 mois en France aussi, à Toulouse. Nous sommes un éditeur de logiciels, mais on a 2 produits. Le premier, c'est Artifactory, qui est un repo de binaires génériques, c'est-à-dire qu'on adresse à peu près toutes les technos qui existent, notamment du Node.js, du Java, du Docker. D'ailleurs, on est le premier registry Docker sécurisé privé, pour info. Ça fait bien de parler de Docker, je crois, dans le compte. Deuxième produit qu'on a, c'est Bintray. Donc, Bintray, là, c'est pour du delivery as a service. On pourra en parler plus si vous voulez passer au stand. C'est avec plaisir qu'on vous expliquera qu'est-ce que c'est exactement le produit. Donc, nous, notre boulot, c'est de servir des binaires. S'en occuper de vos binaires et les servir. Puisque ça induit, ça induit qu'on a énormément de trafic, en fait, énormément de clients, même des millions de clients, qui tous les jours téléchargent nos binaires. Et on a eu un gros problème à un moment donné, c'est qu'on avait beau optimiser tout ce qu'on voulait au niveau de nos serveurs, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de clients qui étaient capables de nous adresser de manière asynchrone, concurrente et non locale. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, vous ne supportez pas, on va faire une librairie et on va l'open sourcer, on va vous la donner. Donc, dans cette démarche, la première chose, c'est qu'on s'est fixé des objectifs. Quels étaient-ils? Donc, le premier objectif, on voulait pouvoir faire du téléchargement parallèle de fichiers. On voulait aussi pouvoir télécharger des parties de fichiers en parallèle. On voulait pouvoir contrôler notre téléchargement, l'arrêter, le mettre en pause, reprendre là où il en était. Et puis aussi, on voulait avoir du feedback pour les utilisateurs, avoir une vraie status progress, une vraie progression, pour pouvoir dire voilà, combien il reste de temps. Et enfin, une chose à laquelle on tient, c'est le checksum caching. Donc, c'est une chose qu'on utilise beaucoup dans nos produits. De manière à ne pas reprendre 2 fois les mêmes choses, on n'aime pas trop écrire 2 fois les mêmes informations. Donc, première étape de la démarche, une fois qu'on a fixé les objectifs, on a réfléchi à qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui fait du concurrence download aujourd'hui. Quand on pense à ça, direct, la première pensée, c'est cette petite extension, je pense que tout le monde en a déjà utilisé, téléchargé au moins 1 fois dans sa vie. C'est les petits programmes qui en général marchent bien, pas trop mal écrit. Et on a regardé, on a eu de la chance, en plus, c'est que Java Downloader, JDM, c'est écrit en Java. Bon, on a regardé, ça supporte les downloads multiples, ça avait l'air de correspondre un petit peu, on sait que ça marche bien, donc on a commencé à regarder ça. Première chose, c'est que c'était pas si simple que ça à intégrer. Donc on a quand même regardé comment l'utiliser, et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de licence traçable. Donc déjà, c'était un petit problème. Ensuite, on n'a pas trouvé vraiment de site officiel ou de doc.
les sources n'étaient pas traçables non plus. Et puis enfin, bah, c'était une app. C'était une application et pas une librairie. Donc au final, bah, oui, c'est pas ça qu'on apprend. On arrive à la conclusion en fait que si on veut un double d'un concurrent, bah, il va falloir le faire nous-mêmes. Donc do it yourself. Là, il y en a un qui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les URL collection? Ça fait longtemps que ça existe. De notre expérience, vous savez que ça vous fait pas mal de mémoire, à cause du buffering, que l'API c'est minimal, qu'en plus c'est bloquant. Et là, je vous rappelle, nous on veut du non-bloquant. Donc on va redéfinir ce qu'on cherche vraiment. Nous on cherche quelque chose qui soit asynchrone et non-bloquant. Et avec des event callbacks. Ça c'est essentiellement pour la progression, pour pouvoir afficher la progression. Donc, qu'est-ce qui va matcher avec notre besoin? C'est à la fois le pattern reactor couplé avec du NIO. Donc, bah, on va commencer là-dedans. Donc, reactor, est-ce que vous connaissez un peu? Certains l'ont déjà utilisé. Il y a des gens qui l'ont utilisé? Non? Pas grave. Donc, qu'est-ce que c'est reactor? Reactor, en fait, c'est un pattern qui est destiné à permettre le traitement événementiel dans un environnement concurrentiel. Donc, comment ça... Enfin, c'est piloté par les événements. Le gros principe, c'est de ne pas créer de nouveaux threads à chaque fois qu'on va avoir un nouveau message, une nouvelle requête. C'est de la réutilisation de threads. Et en plus de ça, ça utilise un IO. Donc, pour ça, ça a l'air de correspondre à ce qu'on dit. Le pattern original, le voilà. Alors il a l'air un petit peu compliqué comme ça. En fait, c'est assez simple. Hein. On a le dispatcher qui va recevoir du coup les messages, qui va utiliser un démultiplexer pour en fait choisir dans une pool d'event handler lequel est disponible et le plus approprié pour gérer l'événement, et qui va dispatcher. Donc en fait, on a un seul thread qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est qu'on a un seul thread dans lequel tourne notre dispatcher, et que les événements vont arriver dessus, et le dispatcher lui va les adresser à nos différents handlers. Ah oui, ça c'est une petite question. Juste pour l'info, est-ce que quelqu'un a une idée de qui peut être l'auteur de ce diagramme? C'est en fait, c'est une des premières présentations de Reactor. Hein? En fait, c'est ce monsieur Douglia. Qui a planté ce diagramme en fait quand il a lors du lancement de NIO quand Java 7 est sorti, voilà, et il a expliqué ben, en gros que voilà, Reactor, NIO, ça fait tout ensemble. Un petit diagramme au niveau de l'API, donc Reactor, en fait comment ça marche, c'est on a des clients qui ont créé leur socket channel, qui vont se connecter au sélecteur, donc c'est un sélecteur qui est commun pour tout le monde. Ils vont s'enregistrer, ils vont tenir, ça va créer une sélection. En s'enregistrant, ils vont préciser le type d'opération qu'il va faire. Et c'est ainsi que le sélecteur, lui, grâce au démultiplexer, va pouvoir envoyer au bon handler ce qui est disponible pour le type d'opération demandé. Donc, au niveau du code, comment ça se passe? Alors, bon, ça c'est du code Java. Alors, le haut, on s'en fiche un peu, hein, c'est classique. On a une socket channel, on ouvre, on a notre adresse, OK. Et là, vous avez intéressant, donc c'est notre sélecteur, on fait un sélecteur open, donc c'est un singleton, on récupère, on dit juste que c'est non bloquant, et derrière, on va s'enregistrer auprès du sélecteur en lui disant voilà, moi je vais faire une opération de type read, et je vais obtenir une selection key. C'est mon cas. Et à cette selection key, je vais lui attacher mon handler. Ça, c'est la partie registering. Le dispatcher, lui, donc, si vous vous rappelez bien, le dispatcher, c'était vraiment ce qui avait, ce qui explosait, ce qui est tout en haut. Donc lui, comme on voit, il tourne en boucle, tant que le thread dans lequel il est existe toujours, donc il n'y a qu'un seul thread. Il va appeler le sélecteur, il va lui dire, vas-y, select. Et le sélecteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui envoyer en fait les clés disponibles, qui sont là. Et il va itérer dessus, et il va récupérer, en fait, c'est là où on voit, donc il va dire, bah, j'itère, et je vais récupérer ma selection key. Et je vais lancer en fait l'attachment, donc mon handler, que j'avais attaché. Donc, vu comme ça, c'est pas très compliqué, mais en vrai, la mise en œuvre peut être assez complexe, puisqu'il nous faut à la fois maintenir les étapes,
Il va falloir assembler les morceaux de fichiers. Quand on va commencer à faire du téléchargement par morceaux de fichiers en parallèle. Puis bien sûr, il va falloir coordonner les événements asynchrones. Donc heureusement, c'est là que NIO vient nous aider et va faire le gros du boulot. Donc NIO, on s'est penché vers les librairies existantes. On a regardé un peu s'il n'y avait pas des gens qui faisaient déjà ça, qui pouvaient nous aider. On s'est aperçu que la plupart des librairies existantes, du moins qu'on a commencé, c'était des librairies serveurs. Ça marche très bien pour le côté serveur, mais niveau client, il n'y en avait pas trop. Donc il y avait Netty, Gresby et d'autres. On a trouvé quand même Apache Mina. On a trouvé aussi Apache HTTP Component Async Client, une librairie d'Apache. Et Ning. Donc on a commencé à regarder. Bon, déjà, les serveurs, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on veut du client. Donc on a commencé à regarder Mina. Donc Mina, on va voir la doc. Voilà, donc c'est une librairie NIO qui fait client et serveur, donc c'est pas mal. Ça vient de Netty à la base, c'est une évolution. Par contre, la dernière release, c'est octobre 2012. Là, on a eu un petit doute. Et puis, quand on allait voir la page des contributions, bah, quand on voit ça, en fait, ça fait pas trop envie. C'est pour ça qu'il y a quand même un gros trou et pas trop d'activité dessus. Donc là, on s'est dit non, on va pas y aller. Donc, il nous reste ces deux clients. Apache HTTP Component Async Client et Ning. On va commencer par Ning, comme ça c'est pas dans l'ordre. Donc Ning, il y en a qui connaissent peut-être un peu ici, même des gens qui en font partie. Ning, pour info, c'est très utilisé par Yahoo côté serveur et ils ont développé aussi une. Ils s'en sont servis en fait pour s'interfacer avec Artifactory Client. Donc Yahoo, ils en sont très contents. On savait qu'on avait des bons retours dessus, donc on allait regarder un petit peu. Voilà, sur le site officiel de Ning, on trouve le petit lien pour Ning Async HTTP Client, le lien vers GitHub, et puis naturellement, on clique dessus pour aller voir. Ah, là, ça nous dit que ça a bougé, c'est plus là. Donc merci Brian. On a un nouveau lien, on clique dessus, et là, on trouve une 404. Donc bon. Moi, je suis un peu député. Finalement, on revient en basique, on fait une recherche Google, on tape Ning Async HTTP Client, et puis on trouve dans les premiers liens, en fait, que ça existe toujours. Ouf. Et puis, en fait, c'est là. Async HTTP Client slash Async HTTP Client. C'est bien la librairie de Ning. Donc, on a commencé à regarder ça, à voir comment utiliser. On fait un petit test. Donc, comment ça marche c'est simple, on crée une async HTTP client, on prépare notre GET, donc sur une URL qu'on a fait pour le test, et puis on s'aperçoit que déjà, une chose sympa, c'est qu'on a, des éléments de callback. On a des callbacks. Ça, c'est bien, on sait quand ça va être complet, puis on va pouvoir suivre un peu l'évolution. Et à la fin, bon, on récupère notre réponse, et le future GET. Donc là, on était plutôt contents, on avait trouvé quelque chose qui correspondait à ce qu'on voulait. On va regarder le deuxième, donc il y avait deux candidats. Hein. Donc le Apache HTTP Async Client. Donc qu'est-ce que nous dit la doc essentiellement, en fait, ce qui est intéressant, c'est la dernière phrase, où ils nous disent que, en gros, c'est ce que vous voulez. Ça peut être intéressant pour tous ceux qui veulent faire des clients HTTP, asynchrone, piloté par les événements. On se dit, tiens, ça sent bon. En plus de ça, quand on va un peu plus loin dans la doc, on s'aperçoit qu'il y a deux concepts. Le concept de request producer et request consumer. Ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que c'est sans buffering. Pour rappel, par rapport à l'URL connexion, donc c'est une chose, on s'est dit, tiens, ça sent vraiment bon. On a fait pareil qu'avec Ning, on a voulu tester, donc c'est grosso modo le même test. Là, on crée un HTTP Async Client. On prend notre URL, c'est bien, on a des callbacks, on récupère notre réponse et en fait, ça va la même chose. Du coup, là, on a testé les deux. Les deux sont bien, mais c'est pareil. Et là, il fallait choisir. Donc, choisir, c'était pas facile. Et il y en a un qui est de la culture. Non, en fait, il n'a pas fait la citation comme ça. Mais on s'est dit, tiens, en général, quand on a deux choses qui se ressemblent comme ça, qu'on va les tester, il y a une bonne technique, en général, c'est rajouter un peu d'abstraction dessus.
Donc on a rajouté notre petite classe d'abstraction qu'on a mis au-dessus. Donc on a créé notre interface HTTP Provider Download Handler. Donc qui dessus a le onResponseRecede, donc no callback, onBytesRecede, onFail, onCancel, onComplete. Et on s'est dit maintenant on va injecter, on va le tester avec me, on va tester avec HAC. La clé HAC sera plus rapide. Et on a fait une comparaison. Donc déjà la première comparaison qu'on a fait, c'est au niveau de la maturité. Ling, donc comme je l'ai dit, c'est utilisé par Yahoo, ça fait quelques années que ça existe, c'est la maturité est bonne. HTTP Async Client, c'est un peu plus nouveau, ça date de 2014. Soit. D'ailleurs, on a fait des tests d'annulation de téléchargement. On a vu que c'était assez facile à Ling et on a trouvé quelques bugs sur HTTP Async Client. On a fait une pull request, le développeur a été super, super réactif. Nous avons contacté pour nous aider à trouver un workaround. Entre temps, il y a eu une correction, ça a été fixé. Donc on a été plutôt rassurés. Donc c'est plus WhizBugs, ça marche maintenant. Au niveau de la progression, en fait, on s'est aperçu que les blocs étaient trop gros dans Ling. C'est-à-dire que dans Ling, vous allez pouvoir savoir quand vous avez fini de télécharger un chunk, partie de fichier. Mais vous n'allez pas savoir, nous on voudrait savoir quand on a fini de télécharger par bit, pour chaque byte, pour pouvoir vraiment avoir une vraie progression très fine pour l'utilisateur. Ce qui est possible avec HTTP Async Client. Au niveau de la doc, c'est cliché, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est assez complète mais qui est disséminée à travers le web. Et l'autre qui est minimale, donc finalement en fait on regarde les exemples, ça revient un peu à ça. Et rapidement, on a regardé les effets qu'il y avait côté serveur, avec utiliser ça, parce qu'en général, quand on n'a pas trop de contrepartie côté serveur, c'est-à-dire qu'il y a un design qui est pas mal côté client. C'est toujours intéressant. On a regardé aussi les performances, alors ça c'est sur le blog d'Atlassian, je le mets en le garde ce slide. Mais faire attention, parce qu'on le regarde, on a l'impression que Ling est moins performant. En fait, sur le blog lui-même, si on regarde dans les commentaires, on s'aperçoit que le test est assez critiqué et finalement n'est pas totalement valide. En vrai, les performances sont plutôt similaires. Il n'y a pas un si gros écart qu'on peut voir là. Donc, on était toujours à devoir choisir un. Et au final, d'après ce que j'en sais, on a tiré ça au sort. Ok, donc là maintenant on a notre pattern, on a choisi notre librairie NLO, donc on a pris le Apache HTTP Async Client, padding, après le tirage au sort. Et on s'est dit, bon bah maintenant on va faire ça bien, donc on va revenir aux bases et on va appliquer vraiment ce qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la RFC 2616? Non, c'est pas la personne. Alors c'est la spec officielle de HTTP 1.1 du W3C. Donc voilà, il faut le savoir. Quand on veut faire les choses bien, c'est bien de revenir au basique, donc de revenir là-dessus. C'est assez clair en plus, parce que quand on veut faire de l'HTTP, au début on dit ouais c'est facile, c'est un protocole de transfert de texte, donc facile. Puis après on commence à réfléchir à des cas compliqués, à des cas d'utilisation, hein, comment on va faire. Et puis on s'aperçoit que c'est pas si simple. Alors on va dans la spec, puis on cherche, en général on trouve des réponses, on trouve bien comment faire, et puis des fois en fait on a beau lire la spec, on est quand même perdu en fait, on comprend pas trop ce qu'il faut faire. Donc nous en général ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime bien, c'est aller sur Stack Overflow. C'est quand même une belle source pour avoir des informations, plein de gens intelligents là-dessus. Et d'ailleurs, on s'aperçoit là que y a plein de gens qui se posent des questions sur HTTP en général. Voilà. Et War Story. Allez, une petite question là. Justement, par rapport à cette spec de HTTP 1.1. Donc, est-ce que quelqu'un sait, dans le cas où on a un fichier qui est compressé, le content length, donc qu'il y a dans le HTTP header? Donc le fichier est compressé en JSON. Quelle est la valeur du content length? Pardon? La valeur que vous voyez dans la modèle, c'est ça?
Ouais. Des IP, non, ZIP. ZIP, j'ai entendu. Alors la réponse, ce que vous voulez, c'est pas spécifié. En fait, c'est même pas obligatoire. Voilà. Donc, c'est dommage parce que c'est vachement pratique, hein, justement, pour savoir combien de temps il y aurait, savoir un vrai progrès, etc. Donc, on a cherché un peu quand même sur GitHub parce que, voilà, il y a. Pas sur GitHub, sur Stack Overflow. Parce que bon, ok, on ne s'est pas spécifié, mais peut-être qu'il y a des gens qui en parlent. Et en fait, la réponse la plus regardée qu'on ait trouvée, c'est celle-là. Et bon, alors le gars, il télécharge, il dit voilà, j'ai un range request de 0 à 1023, ces IP, machin, qu'est-ce que je dois mettre dans mon pantalon? Et l'autre, il dit bon, tu mets le plus petit entre 0, entre 1024 et la taille, compressée. Donc, voilà. Alors, en continuant à chercher, on a trouvé finalement des gens qui avaient une réponse. Sauf qu'en fait, c'est pour HTTP2. Ça, c'est. Il y a eu un vrai débat, en fait, des gens qui rédigent la spec pour HTTP2, qui est pour bientôt. Et ces gens, il y a eu un vrai débat sur le content length. Et finalement, les gens ont dit, bah, c'est ce qui est écrit en bas, là, la petite réponse. Ok, on va garder ça comme optionnel, on va pas forcer les gens à le mettre. Mais dans quel on est et où c'est IP, ça devra faire la taille de ce qui transite sur le réseau. Donc la taille de ce qui est zippé, de la taille zippée. Ce qui paraît logique et au moins ça permet de savoir vraiment ce qui reste à prendre. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, on ne sait pas pour tout de suite. Alors celle-là, c'est une bonne question. On a eu pas mal de galères là-dessus. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce que quand on a une vraie direction, tous les chunks, ils repartent à zéro. C'est-à-dire que quand on télécharge, on dit voilà, moi je veux télécharger de l'offset X, Y bytes, j'arrive sur mon serveur, il me redirige, et là, eh ben c'est plus, j'ai plus mon offset, c'est offset 0, et c'est tout. Il a perdu le header sur le redirect. Exactement. C'est ça. Donc quand dans HTTP, quand on fait de la redirection, bah le HTTP header, il est perdu, il disparaît. Donc c'est frustrant. Parce que nous, sur Bintray par exemple, dès qu'on a des fichiers ou des parties de fichiers qui vont être supérieures, qui ont déjà qui sont supérieures, alors je sais plus si c'est 50 ou 84, on les redirige soit sur CloudFront, soit sur Akamai. Donc là, on perdait, on repartait à zéro. Donc on a trouvé ce petit bout de code qu'on a pu utiliser donc, avec HTTP Async Client. C'est tout simple, en fait, on injecte une redirect stratégie. Et tout simplement, on dit, bah voilà, si je, quand je redirige, je vais récupérer mon header, je vais récupérer toute la partie qui m'intéresse, et je vais le réinjecter dans ma requête qui est redirigée, de manière à ne pas le perdre. Donc ça nous a bien sauvé la vie. Petite question sympa, ouais, celle-là, il y a des gens qui le savent. Combien de connexions simultanées je peux ouvrir? En gros, je suis un process, je me connecte à une route, à un host. Combien de connexions simultanées je peux ouvrir sur une route? Autant que tu veux. Ah, j'ai entendu combien là? Non. Ouais, très bonne réponse. Donc deux, pas plus, juste deux. C'est la spec. Ça dit, voilà, si vous êtes un process et que vous connectez à une route donnée, vous avez le droit d'ouvrir deux. Est-ce qu'à votre avis, il y a beaucoup de gens qui la respectent? Les navigateurs, par exemple. Ah, les navigateurs, ils n'en ont rien à foutre. Donc, ça, c'est extrait de Wikipédia, je crois. Donc, c'est en gros les navigateurs. Voilà, on voit que iOS, il est très gourmand. Il peut ouvrir jusqu'à, c'est le max, donc il peut ouvrir jusqu'à 13 connexions. En général, c'est plutôt autour de 6. Donc, vraiment, ils n'en ont rien à faire là, au niveau de la spec. Autre problème qu'on peut rencontrer, URL encoding. C'est un truc qu'on a tous fait au moins une fois, je pense, dans la salle. C'est facile. Alors je vous demandais qu'est-ce qui ne va pas avec le code qui vient. Sur un code très compliqué. Une méthode qui s'appelle encode URL, qui prend une URL et qui l'encode en UTF. On va vérifier dans les trois petits points.
Non. Bon. Ce qui ne va pas, en fait, c'est que là, on va tout encoder. Et en fait, si je fais ça, je vais encoder ma partie URL, mais aussi ma partie avec mes paramètres et avec mes délimiteurs. Le problème, c'est que si je fais ça, je ne peux pas revenir à mon URL d'origine. Parce que mes délimiteurs, ils vont se transformer en caractères qui ne vont pas être compris. Du coup, c'est pas, ça va être quelque chose qui n'est pas objectif. C'est les valeurs des paramètres qu'on connaît. Ça, ça peut être un vrai problème. Donc, URL encodeur, il ne faut pas l'utiliser comme ça directement. Faire attention. Il faut séparer, en fait, la partie URL et vraiment la partie paramètre. Ça, séparément. Donc, ne pas l'utiliser. On a eu de la chance, en plus, la librairie qu'on a prise, ni il y a peut-être ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la librairie qu'on a prise, sur Apache, HTTP, etc., Async Client, en fait, il donne deux méthodes. Enfin, là, on a URL Builder et URL Encode Utilities qui permettent justement de traiter les deux parties séparées. Donc, ça, c'est la bonne manière de faire. ça, ouais. Petit message subliminal de nos équipes. Always be closing. Alors, pourquoi ils disent ça? Parce qu'on a eu un gros problème sur Artifactory il y a un petit moment. Et je vais y revenir. Mais alors, comment on fait pour fermer des sockets correctement? Ça, c'est. Maintenant, on essaie de faire passer le message. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en gros, il y a trois moyens de fermer des sockets, faut-il savoir. C'est la première méthode, c'est en gros là, le full close. C'est en gros, je dis bon, bah, moi, c'est bon, je veux fermer, je ferme tout, les inputs, les outputs. Et en général, les clients, ils n'aiment pas trop. Bon, c'est un peu violent comme méthode. La troisième, celle en bas, c'est le input avec le close. Ça consiste à dire ok, moi, je veux fermer. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'envoyer des réponses à mon client, mais je vais lui laisser finir ce qu'il avait à faire, m'envoyer les données, et continuer à écrire chez moi. Non, c'est l'inverse. C'est le output, pardon. Là, c'est le troisième, là, c'est, donc pareil. C'est plutôt, donc, c'est j'accepte de continuer à envoyer des données au client, mais je ferme mon entrée, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit d'écrire chez moi. Ça marche. Le problème de cette technique, c'est que ça marche bien si on est sûr que notre client va pouvoir nous envoyer. Parce que si on fait ça, mettons le client nous envoie 10 requêtes, et on considère qu'à la 10e, c'est bon, il a plus rien à nous envoyer. On commence à lui envoyer les réponses. Lui, il les reçoit dans son pipe. Il les met dans le buffer. Et il commence à les traiter. Et là, en fait, il dit « Ah tiens, j'ai oublié d'envoyer ça. » Il nous envoie une 11e requête. Mais entre-temps, on a fermé. Du coup, en réponse, il va recevoir un collection receipt. Voilà, la collection a été fermée par le serveur. Et la plupart des clients, ce qu'ils font quand ils reçoivent un collection visit by server, c'est ils ferment leur buffer, ils effacent tout ce qui était qui était dessus. Donc tout ce qui a été renvoyé par le serveur qui était en cours de traitement, c'est perdu. Et bien c'est que le serveur il croit qu'il l'a bien envoyé, donc c'est pas top. La solution en général, ce qu'on trouve sur la part des serveurs, c'est du grace hook close. Donc le grace hook close, ça consiste à dire ok, je vais fermer mon output. C'est ce dont je disais tout à l'heure. Donc je vais arrêter d'envoyer des réponses au client. Et par contre, je vais le laisser finir ce qu'il est en train de faire. Je vais le laisser continuer à écrire chez moi. En fait, l'analogie, c'est un petit peu le magasin, en fait. Quand le magasin, c'est la fin de journée, en général, un petit peu avant de fermer, bah, il commence à tirer les grilles, on peut rentrer de nouveaux clients. Par contre, ceux qui sont à l'intérieur, bah, ils les laissent finir leurs achats. Il y a une chose qui est quand même très importante quand on fait ça, et c'est ce qu'ils font en général quand on va à Carrefour ou n'importe où, c'est qu'ils annoncent, ils disent « Attention, votre magasin va fermer ses portes dans X minutes. » Pourquoi ils font faire ça? Parce que la personne qui tient la grille, bah, elle attend à sa grille de finir de fermer, que tous les gars à l'intérieur, ils aient fini. Donc elle attend. Et si les gars à l'intérieur, ils savent pas que c'est fini, qu'ils doivent ressortir, bah, la personne à la grille, elle va attendre, et puis elle va attendre, et finalement, bah, on va juste perdre de la mémoire. Et c'est là où nous, on a eu un gros problème. Alors, pour info, c'était avec le client Ruby, qui, nous, on fermait.
On s'attendait à ce que lui, il ferme proprement, qu'il finisse ce qu'il avait à faire et qu'il ferme proprement. Sauf que lui, il disait, oh là là, ils ont fermé, je me casse. Et en fait, il ne fermait pas ses sockets. Donc nous, on attendait indéfiniment. Et comme ça, on avait les sockets qui se rajoutaient les unes après les autres. Et finalement, ça nous a tué pas mal de serveurs chez des clients. Donc on a corrigé ça, c'est simple. Maintenant, dans Artifactory, on dit, si le client, il vient vers lui, alors on ferme ça comme des... D'un seul coup, on n'attend pas. You will wait forever. Donc, on le répète, je ferme toujours mes connexions. Et en plus, je le fais avec Track with Resource. Vous utilisez ARM un peu de JavaSex ici? Donc, ils utilisent. Ouais. C'est bien. Il faut être plus. Ça y était, dans l'exemple qu'on avait donné. Le trail, du coup, je me dis à mon trail en gros, comme ça, je sais que ça va être propre. Ok. L'écriture de fichiers, de parties de fichiers de manière concurrente. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire, ça faisait partie de nos objectifs. Comment faire? En fait, il existe deux techniques, je pense que tout le monde les a en tête. La première, c'est j'écris toutes mes parties de fichiers dans plein de fichiers différents, et à la fin, je vais les combiner. Ou alors, je prends un seul gros fichier. Si j'ai la compagnie length en plus, c'est cool parce que je peux prendre un fichier qui a la bonne taille de début. Et puis, je vais écrire des différentes parties en faisant un cycle pour trouver la bonne position à chaque fois. Donc, de manière parallèle. Je vais écrire sur les différentes parties de mon fichier directement. On a choisi la deuxième solution, tout simplement parce que, pour deux raisons. Déjà, la partie où je reprends toutes mes parties de fichiers, je les réassemble, puis je nettoie, je les supprime. C'est assez gourmand. Et puis aussi, parce que nous, on n'aime pas trop écrire plein de fichiers qui finalement vont être supprimés dans pas longtemps. Je trouve ça pourrit un peu le file system, donc on trouvait quand même beaucoup plus élégant la deuxième solution. Pourquoi pas utiliser random access file? Alors ça, on peut se demander pourquoi. Tout simplement parce que dans la Javadoc, on nous dit random access file, c'est pas bon pour faire de l'accès concurrent. Donc la Javadoc nous dit, regardez plutôt seekable by channel. On a regardé ça, et on a utilisé flag channel, qui est une implémentation de seekable by channel, et qui nous fournit donc une méthode write, qui est toute simple, qui prend un buffer de bytes, et qui on lui dit, écrit à telle position. En plus de ça, nous, on a créé deux classes pour tracer en fait la progression. Deux classes réalisables, le fileProgressInfo, qui nous permet en fait de tracer la taille totale du fichier, le SHA-1 et le nombre de parts. Donc la taille totale et le SHA-1 en général, c'est les données que vous avez lors de votre premier GET sur le serveur. Vous pouvez le récupérer. Et le nombre de parts, c'est quelque chose qu'on calcule, non? Et après, pour chaque partie, en fait, on a le file path progress info qu'on va écrire. Là, c'est pareil, on va écrire l'offset, la taille de la partie, et son index qui est complété, etc. Est-ce que c'est fini? File locking. Donc, petit retour sur le file locking. Deux niveaux de file locking, on a dû utiliser les deux. Donc, petit rappel, hein, on peut faire du log de fichier niveau VM ou niveau OS. Niveau VM, c'est pour protéger votre fichier des accès concurrents des process tournant dans la même VM. Niveau OS, c'est pour protéger votre fichier de process qui peuvent être ailleurs que dans votre VM. Donc ça peut arriver si par exemple vous avez une autre instance de downloader qui va, parce que vous avez mal configuré, qui va s'agresser sur le même fichier. Et là, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des locks quand on écrit plusieurs parties. Donc en fait, on en a surtout besoin pour le moment où on ferme le fichier. En tout cas pour le VM file locking, c'est pour le moment où on ferme le fichier. Parce que quand on ferme le fichier, en fait, on vient faire plein de petites opérations qui sont libérer le fichier, fermer la channel, renommer le fichier, et puis enlever tous les progress info qu'on a mis dedans. Parce qu'au final, on ne veut pas les garder quoi, une fois qu'on a fait le fichier doit être propre. Donc le VM file locking, comment on l'a fait?
Ça, c'est tout simple. Hein. On a en fait deux types de locks. On a le write lock et le read lock. Donc en fait, on a un write to file lock, celui qui est tout en haut, qui est de type read lock, donc c'est un share lock, qui est donc non bloquant, qu'on va utiliser pour l'écriture. C'est-à-dire que quand on va se mettre à écrire, on va dire, OK, moi je crée un share lock. Ça va permettre aux autres de quand même venir continuer à gérer son fichier. Et par contre, quand on va fermer, là, on va faire un exclusive lock sur le fichier. On va dire, voilà, là, je suis en train de fermer, je suis en train de remettre tout au propre. Il ne faut pas venir m'embêter. Donc ça, c'est un pattern tout bête. Niveau OS, donc là, c'est surtout pour prévenir d'avoir plusieurs downloaders, plusieurs instances du downloader qui pourraient écrire sur le même fichier. Donc, comment ça marche? En fait, premier abord, voilà, on voulait faire du trylock. Donc, c'est notre file channel. On va faire le trylock en fait, qui est fourni par file channel. Donc, c'était le secret channel, le file channel qu'on a introduit, l'implémentation de secret file channel. En fait, quand on fait un trylock comme ça, ça équivaut à dire voilà, je vais faire un lock exclusif de en fait, la méthode là qu'on voit, donc du bit de la position 0, du byte 0, pour la plus grande longueur possible. Et false, c'est non shared, donc c'est exclusif. On a eu des gros problèmes en fait, c'est que sur Windows, il n'y a pas de shared lock. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas faire de shared lock sur Windows. Tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est faire un truc un peu comme ça. C'est ce qui nous a sauvés. Alors, ce petit bout de code, qu'est-ce qu'il fait? En fait, au lieu de faire un try lock complet sur tout le fichier, c'est on va dire, ben voilà, moi je vais bloquer de la position, je prends une position qui est quasiment l'infini, qui est la plus grande valeur longue, moins 1. Et je vais bloquer un byte. En fait, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque le dernier byte possible du fichier. Et là, ça revient à faire du share lock. Un peu. Donc, qu'est-ce qui vient ensuite? En fait, avec HTTP2, c'est la suite, on va avoir quand même vachement de facilité pour continuer. Déjà, il faut savoir que HTTP2 ramène vraiment de la standardisation basée sur Google Speedy, rajoute du header compression. Et nous, ce qui va nous intéresser beaucoup, ça va être la partie multiplication. La priorisation. Merci. Et le serveur push. Vous êtes intéressé à HTTP2 en fait? Il y en a qui ont regardé un petit peu ou non? Vous verrez, c'est super intéressant. Et notamment, moi, la partie vraiment où on est content, c'est la dernière. Le content length qui devient vraiment normalisé. Donc, avec, comme on a dit, hein, comme je vous montrais tout à l'heure, là, le débat où on a dit voilà, le content length maintenant, il vaudra telle valeur dans telle condition. Il reste optionnel. Mais bon, on ose espérer que maintenant qu'il soit vraiment spécifié, que de plus en plus de serveurs commencent à l'utiliser. Et le serveur push, pour info, en fait, c'est étant donné maintenant, avec HTTP2, c'est de vrais canaux de communication qui sont ouverts. En fait, le serveur va pouvoir de lui-même décider d'envoyer de l'information sans qu'on ait besoin de lui demander. C'est-à-dire que sur une page web, quand le client va venir demander la page web, il va lui envoyer donc, la partie HTML, et comme il sait qu'il va devoir lui envoyer, à un moment donné, le client va devoir lui demander le JavaScript qui va la page, le serveur de lui-même va pouvoir dire ok, je t'envoie la page, mais en même temps, je te fais le push du JavaScript. Tu n'as pas besoin de nous demander un truc. Donc, ouais, ça, c'est quand même des belles options. Bon, ouais. Là, quelques petits liens, donc la RFC 2616 est durée très vite. Donc, je vous dis merci. Et si vous avez des questions, du coup, parce qu'on a un peu de temps. Est-ce qu'un protocole comme
Je ne sais pas. Non, ouais, c'est. Je ne connais pas le protocole Torrent en fait. Donc, je connais le nom, mais. Est-ce que tu aurais déjà, effectivement, le checking des fichiers, le multipart, tout ça, c'est déjà implémenté. Ouais. Et après, la difficulté, c'est que ça ne passerait pas tous les pare-feux de tes clients forcément. Ouais, bah alors là, c'est une grosse difficulté. Donc, sinon, ça. Voilà, t'as la réponse. Alors, je vous dis merci. Ah, si, légèrement en concurrence sur la même connexion Internet, c'est que ton client, il a une connexion Internet vers ton serveur et il en a plusieurs en même temps. Ça, ouais. Les gains de performance, ils sont vraiment importants. Ah, bah, si, oui. Parce que si tu as une connexion, tu peux imaginer que la connexion, enfin, qu'elle prend toute la rotation disponible en téléchargement, comme ça, tu pourrais faire. Ouais, mais là tu vas pouvoir télécharger carrément les fichiers par partie quoi. Là tu vas pouvoir vraiment optimiser de prendre des petites parties à chaque fois. Ce qui est beaucoup plus rapide en fait. Parce que tu as l'écriture. Merci, messieurs.